Et salut à tous, c'est la suite de Hyrule Warriors, l'ère du fléau, j'espère que vous allez bien. On est parti? Hein? Voilà, on va faire la quête principale. On va juste donner 2 cœurs de plus à Link, ça me fait plaisir. Voilà, 2 cœurs max pour Link, bon... Pour ça. Est-ce qu'on n'a pas des nouveaux combos là? Ça, en vrai... en vrai c'est pour Impa. Hein. C'est une force nouvelle. En vrai c'est pour Impa quoi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Est-ce que j'ai d'autres trucs? Oui, bon, il y a ça, mais un jour. Bah, en vrai, attends, en vrai, on va le faire. Mais ça doit être que les prix de vente. Oui, c'est les prix des marchands. Voilà, c'est pas les matériaux. Les matériaux, c'est toujours les mêmes. Et en plaçant pour les plats, plus ça? Ah, je peux avoir 2 plats en même temps. Bon, c'est vrai que je les ai jamais utilisés de ma life, mais... Mais voilà. Hein. Oui, alors Noya... Noya, oui, améliorer Noya. Nouveau combo pour Noya. Ça, je prends. Tout ce qui est nouveau combo, on va prendre. On a aidé un Korugo à voler. Bravo. Mipha, Kermax. Kermax. Nouveau combo là, nouveau combo. Il me faut du poisson. Bon. Ok, juste je vais vérifier si j'ai pas d'autres combos. Voilà. Bon, la jauge, ouais, c'est bien, mais. On va prioriser les combos. Hein. Ah, attendez, en vrai, pour voir ça. Juste que je fasse ça. Non. Hein? Nouveau combo pour la lance, mais je peux pas. Je le CF, ok. Impa. Ok. Zelda. Ah, il y aurait ça. Pour avoir 2 cas en plus. Mipha. Nouveau combo, mais donc on peut pas. Kermax, Kermax. Ok. On me dit ça, j'ai de quoi l'améliorer en vrai. Révali. Révali, c'est tout fait. Là, il me manque des trucs. Ok. Grande fée. Oui. Ah oui, et je sais pas si je l'avais dit à l'épisode précédent. Il y a un truc, c'est honteux. Voilà. Dans l'amphithéâtre. Dans l'amphithéâtre basique. Alors l'amphithéâtre, c'est ça, c'est cette zone là dans Breath of the Wild. C'est une zone que j'aime beaucoup. On n'en sait pas grand chose, hein. Mais elle est là. Et enfin, voilà, genre... Bon, c'est un amphithéâtre en ruine. Moi je vois dans l'amphithéâtre, je me dis, ah ben on va combattre dans l'amphithéâtre, trop bien. Non, en fait, dans un sanctuaire. Un peu la carotte, ça. Enfin, j'étais en mode bon, ouais. Ouais, bof, là. Pour le coup, le jeu, là, bof. Sur ce point. Escorte jusqu'à la source. Ah, on va escorter Zelda. Non, mais attendez, il nous faut... D'accord. Bon, bah, on peut pas jouer Zelda. On va jouer Link. Et on va jouer... Révali ou Mipha? Allez, Révali. Attendez-vous à de grands exploits de ma part. Allez, Révali. Est-ce qu'on prend un plat? Est-ce qu'on prend un plat, genre... non, ça, non. Ah ouais, nombre de cœurs pendant la bataille, gain de rubis, capacité d'esquive, gain d'expérience, vitesse de déplacement. Bon. On va pas prendre 2 plats, mais on commence à avoir des plats intéressants. En vrai. Alors que le roi. Tu en es bien certaine, Impa? Oui. La résurrection du fléau aura donc lieu le jour du prochain anniversaire de Zelda. Oui. Si on en croit les résultats d'analyse des images, en tout cas. Le temps nous est compté. Zelda, ma fille. Vous partirez avec les chevaliers, méditer à la source du courage. Vous devez à tout prix éveiller votre pouvoir avant la résurrection du fléau. Très bien. Ayant appris grâce aux données subsistantes dans le Gardien que le fléau Ganon renaîtrait le jour du 17e anniversaire de Zelda, le roi d'Hyrule ordonna à cette dernière d'aller méditer à la source du courage.
Sentant la menace de la catastrophe approcher, le roi d'Irune, Zelda et tous les habitants du royaume étaient saisis par l'angoisse. Mais là, du coup, vu que c'est à cause du gardien qui l'a envoyé là-bas, techniquement, c'est pas lié au souvenir qu'on a dans une des sources. Je suis même pas sûr, je crois que c'est celle de la sagesse en plus. Je suis même pas sûr que ça soit celle du courage. Rends-toi utile comme tu le peux, avec les talents que tu possèdes, et ne ménage jamais tes efforts. C'est bien le moins que puisse faire une princesse sans pouvoir. C'est ma ligne de conduite, celle que j'ai toujours appliquée. Oui, seulement... À quoi bon en réalité ? À quoi nous servira de maîtriser les reliques si mon pouvoir ne s'éveille pas ? Chacun de nous fait sa part. Tout le monde accomplit honorablement son devoir. Tout le monde, sauf moi. Je suis la seule qui ne soit toujours pas capable de tenir mon rôle. Votre Altesse. Dites-moi, vous ne voudriez pas qu'on fasse une petite pause ? C'est que, en fait, j'avoue que j'ai un peu faim. Impa, tu le sais bien, nous n'avons pas ce loisir. Bon, j'aurais dû prendre Impa avec Link, oui, bon, bah, tant pis. Quoi ? Le jeu, il a qu'à pas me laisser le choix aussi. Bon. Let's go. Pendant que, voilà, hein, Zelda qui peut pas être plus explicite sur son ressenti sur la situation. D'ailleurs, je me demande si, en vrai, elle aurait pas... On pourrait pas lui donner en deuxième arme un arc de lumière, genre quand elle éveille ses pouvoirs. Ce serait quand même stylé, hein. Mais je sais pas. Je me suis posé la question, je me suis dit, en vrai, y a pas que Link qui peut avoir d'autres armes, quoi. Quelque part. Finalement. Révali. Mais non. Jamais, hein. C'était bien nul, hein. Mais, oh, à chaque fois, j'esquive trop tard. Et là, je sais pas. Trop tôt, visiblement, hein, mais... Mais bon. Quel enfer. Quel enfer, les catchphrases de ce perso. Ouais. Boum. Effectivement. Où y a du monde là? Et ouais, autre chose que je voulais dire, ça fait quand même... Enfin, je trouve ça mignon les interactions entre Zelda et Impa. Parce que bon, c'est vrai que Zelda et Impa, c'est toujours eu quelque chose, on va dire, entre ces deux persos. Donc, on n'avait pas pu trop le voir justement dans Breath of the Wild. Enfin, voire pas du tout même, hein, en l'occurrence. Mais il y a bien du monde là-haut. Ils vont se calmer là ? Ouais, Link fait quelque chose de ta vie. Bon, j'aurais pas dû envoyer là-bas, mais. Je suis au mieux de ma forme. Ok, bon, toi des amis là un peu. Non mais j'ai compris que je pouvais donner des instructions aux alliés. Tiens, je regarde, je donne une instruction à Revali et je joue Link. Voilà, c'est bon, ça lui va. J'avais envie.
Il a pas voulu esquiver parce que j'étais dans mon attaque. Au secours. Non mais. Ah oui, non mais. Si je fais pas le bon bouton, forcément, il fera jamais ce que je voulais. Voilà, à savoir ça. Bam. Maintenant, Link, tu vas là. Et là, on fait un massacre. Je n'aurai aucune pitié. Un petit massacre. On ne bouge plus. Voilà, là, avec Revali, je suis sûr de faire la max de dégâts avec le cinétisme. Bon, après, enfin, ça dépend des combos que je fais derrière, évidemment, mais... Évidemment, je fais des combos de sac à merde derrière, mais... Globalement... Tu vas revenir, tu vas aller là. Imaginez la ligne qui lui répondait à Revali. Ah, t'as besoin de moi là maintenant, hein. Non, le taunt infini. Non mais, secours. Saloperie. Eh, on n'a pas trouvé de Korogo encore ici. Maintenant que j'y pense, là. Aïe, aïe. Ouais, le truc explosif. Pas de problème, en fait. Le coffre. Ah oui, d'ailleurs, un autre truc que j'ai remarqué aussi. Les prodiges portent tous une tenue... Enfin, portent tous un truc qui fait penser à la tenue du prodige, quoi. Disons. Mais qui représentent leur peuple. Je vous montrerai après, en galerie, à la fin de l'épisode. Enfin, ou à la fin de la mission, en tout cas. Voilà. Aïe. Bon, fallait pas faire ça. Voilà. Allez, adieu. Évidemment, c'est pas fini. Ah. Pourquoi je suis quand même Revali. Ouais, non mais... Non, saloperie. Il est ici, voilà. Pas touche à Zelda. Ah mais attendez, mais Zelda elle a pris... Comment ça elle a pris tarif comme ça? Il y a des monstres en fait là-bas, non? Pas clair. Par contre là oui, là il y a des monstres qui arrivent. Non mais, lock-le. Caméra, secours. C'est trop facile. Ah, je peux faire des esquives en l'air du coup. J'avais jamais réussi. Ouais, je crois que j'étais en l'air là. C'est pas sûr, mais je crois que j'étais en l'air. Admirez ma technique. Le problème c'est que Zelda est pas loin là. Je n'aurai aucune pitié. C'est toi qui m'inquiète. Pas trop envie qu'elle prenne des dégâts. Ok. Oui. Ok. Alors, on va faire un truc, on va... Voilà. On va mettre Revali sur Zelda, histoire qu'il l'escorte quoi qu'il arrive. Nous on va nettoyer les monstres, histoire qu'elle soit pas poursuivie. Bam. Est-ce que le gardien il attaque des fois ou...
Ou vraiment juste il se balade autour de moi en mode salut hein, je suis là moi aussi je suis là. Moi aussi j'existe dans le scénario. Même si je devrais pas. Hop. J'admets enfin avoir besoin de moi, Ali. Supportable. Ok. Ça va les Zelda. Là y'a quoi? Kikorogu qui se cache? Non d'accord. Juste des saloperies qui se cachent. Et un coffre. Ah ouais mais non. Ah ça me plaît pas trop ça. Faut pour nous aider. Ah. On avait pas eu cette mécanique. D'ailleurs c'est en parlant de mécanique. Au niveau des missions secondaires pour l'instant, j'ai pas encore vu de truc vraiment bah. C'est le saut mural que j'avais. Faut m'expliquer ce qui... D'accord. Oui. C'était comme ça qu'il voulait que je bloque la voie. Ok. Mais ouais, au niveau des missions, du coup, des missions de combat, pour l'instant, j'ai pas vu vraiment deux missions qui sont exactement les mêmes. Enfin, il y a des missions, par exemple, genre la mission où t'as pas le droit de te faire toucher, t'as en version facile, en version difficile. Ou des missions avec timer, t'as des versions... Enfin, où éliminer les ennemis, t'as plus ou moins d'ennemis. Mais à part ça, qui sont juste des variantes de missions, mais du coup en plus ou moins difficile, t'as pas deux fois la même mission pour l'instant. Donc ça, pour l'instant, c'est un bon point du jeu, quoi, de ce côté-là. Enfin, y a un souci, quand même... De la cohérence interne au jeu. Cohérence avec l'univers. On en reparlera quand on aura fini le jeu. Parce que je crois qu'il y a quand même des points qui... Je sais pas s'il y a tous les points qui collent, disons, mais... Mais voilà. De toute façon, à mon avis, ce que je vais faire à la fin, une fois qu'on aura fini le jeu... C'est que je vais aussi essayer de caler toutes les cinématiques de Breath of the Wild qu'on a au niveau des souvenirs. Pour essayer de créer une histoire, enfin voir l'histoire en fait. Comment elle se déroule chronologiquement parlant. Sachant que bon bah évidemment c'est pas exactement la même histoire. Hein. Non mais par contre Link. Link c'était sur le mot blanc que je voulais que t'ailles. Aïe. Non. C'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que c'est pas grave. Hein. C'est trop facile. Je suis content de cette esquive. Je suis assez content. Boom. Ah. Une victoire pour moi. Voilà. Boom. Ah, mais non, mais il y en avait deux. Attends. Ouais, il était encore dans la stance.
Ah, qu'est-ce qui se passe auprès de Zelda? Comment ça? Merde. J'arrête de faire le con. Hein. Ok. Ouais. Tu admets enfin avoir besoin de moi, Link. Ok. On va détruire cet arbre. Hein. Attention, j'y vais. Attends, mais... On attend Link qui passe ou pas? Est-ce qu'on attend Link qui passe ou... on fait le connard? Ou on fait comme Revali ferait? En vrai, Revali, il attendrait que Link soit vraiment devant. Oh non, il est passé. C'est une blague. Ah bah d'accord. Moi, ça TP Link. Non. C'était pas le bon. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire, Zelda? J'ai pas tout suivi, là. Non, mais ça se passe bien. Encore une victoire. Elle en est où, Zelda, là, de sa vie? Si elle pouvait récupérer de la vie, ce serait pas mal, mais... En fait, c'est là où il faudrait Mipha, quoi. Mipha qui pourrait soigner. Au moins là t'es tranquille quoi. Non mais... Vol. Non mais ça passe hein. J'ai envie de dire... J'ai envie de dire c'est bon hein. Ah, alors vous m'emmerdez. Brûlons tout ça. Brûlons tout ça. Non, d'accord. Juste un coup suffit, quoi. Ok. N'irai pas plus loin. Encore une victoire pour moi. Prenez ça. Du coup, ouais. Maintenant, tu fais ton déplacement. Vous laissez Zelda tranquille. Aïe. Trop tôt. Trop tard. Et voilà. On va y arriver au niveau des timings. Un jour je vais y arriver. Pas la tablette. Saloperie. Oh mais au secours. Combien de monstres? Combien? Vous savez quoi? Ouais, on peut détruire des trucs, quoi. Ouais, c'est bien ce que je voulais, ouais. Ouais. Ouais, on va faire comme ça. On va faire comme ça aussi. Je n'aurai aucune pitié. Encore une victoire. Petits dégâts. Des petits dégâts. Non mais.
Faites-moi le plaisir de geler. Voilà. Parce qu'après tout. Après tout, pourquoi pas. Hop, dégeler chouchou. Attends, d'ailleurs, je vais les éliminer. Ne serait-ce que. Vous espérez loot, voilà les jolis chouchous. Parce que j'en ai besoin, des jeunes, je crois. Pour avoir bossa. Au secours. Pour l'instant, ça se passe bien. Là, il y a un Korogu, non? Pas du tout. Absolument pas. Par contre, Link, va sur, voilà, va sur Zelda. Ouais, nous on va faire ça. Aïe. Je peux continuer à admirer ma technique. Je n'aurai aucune pitié. Voilà. Non mais vol, vol. Et va là-bas. Il peut ? Ah non, il est. Hein ? Voilà. Pourquoi la caméra est comme ça ? Mais laissez Zelda tranquille, bordel. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Non. Voilà. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, j'ai des recharges. Et Révali pendant ce temps qui avance bien. On va aller prendre ce fort. Et ce petit Korogu là. Petit Korogu là. Toujours pas regardé. Ah non mais on a. Attendez. Non on est toujours dans la même mission en fait depuis tout à l'heure, oui. Oui. Oui oui oui. Non mais par contre, ce serait bien d'aller à l'entrée. Dans le fort, quoi. Je suis au mieux de ma forme. Voilà ce qui arrive quand on cherche des ennemis. Je suis au mieux de ma forme. Alors, en visant des ennemis, c'est quand même mieux. Ça. Mais non, non, son arme en métal, j'ai pas le droit. J'ai pas assez en métal. Allez hop. Meurs. Je n'aurai aucune pitié. Il y a rien là-dedans. Non mais au secours. Et là, toi tu vas. Tiens, va là. On va voir ce qu'il y a là. Pendant ce temps, on continue l'escorte de Zelda. Au secours. Non, c'est bon. Saloperie. Ah. Avec les bombes, on détruit tout ça, non? Ouais. Mécanisme de drainage de Ruta. Bah ouais, bah... D'accord. D'accord, tout simplement.
C'est une façon de faire. C'est une façon de faire en vrai. Non, non, j'avoue. J'avoue. Ah bah c'est fini. Bon bah on saura jamais ce qui se passe du côté de Rivali. Ah non. Tu admets enfin avoir besoin de moi, Link. Un inox bleu. On n'a toujours pas encore vu les noirs. Hein. Ni les argents. Parce que en vrai... Ah non, c'est... Attendez. Argent, oui, l'argent, ils sont de base. C'est les ors. C'est les dorés qui sont pas... Je sais plus, j'ai un doute. Il me semble ça, hein, c'est les dorés qui sont que en expert. Il me semble. Hein. Je sais qu'il y en a des spéciaux pour l'expert, mais... Oui, il me semble que les argents, on en voit de base... Aïe. Par contre, ce serait bien de... Aïe. Je crois au secours. Baisser ma garde. On ne bouge plus. Voilà. Non mais saloperie quoi. Pas fini. Hein. Non non, c'est pas fini. Hein. Je n'aurai aucune pitié. Ouais ouais, non mais attends. Non. En fait, j'ai dit non. Oh là là. La violence de l'attaque quoi. Trop stylé cette animation. Beaucoup trop stylé. En fait, ouais, j'ai l'impression que certains persos ont des animations quand même qui s'adaptent à l'ennemi. À certains boss en tout cas. Mais pas tous. Ah. Oh, vous êtes tous sains et saufs. Quel soulagement. C'est grâce à vous, votre Altesse. C'est vous qui avez remarqué ce mécanisme. Non. Je n'aurais jamais rien pu faire sans votre aide. Écoutez-moi, votre Altesse. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez la seule à ne pas être capable de tenir votre rôle. Mais ce n'est absolument pas vrai. Ne venez-vous pas de tous nous sauver à l'instant? Vos recherches ne sont absolument pas inutiles. Bien au contraire, votre Altesse. Je te remercie, Impa. Toutefois... Je crois... qu'il faut que je lutte jusqu'au bout pour enfin accomplir la mission qui m'incombe. Parce que c'est tout ce que j'ai. Bon, pendant ce temps, les level up, hein. On va avoir trop d'armes. Ah ouais ouais. Ah non. Non, j'ai pas à vendre d'armes pour Link. C'est un miracle. C'est miraculeux. C'est... je n'y crois pas, mais tant mieux. Hein. Fallait que je montre un truc. Fallait que je montre un truc dans la galerie. Oui, dans la galerie. C'est bon, je me rappelle. Les tenues des prodiges. Pas dans la galerie, mais en réalité d'ailleurs, je crois. Mais... Alors... Pourquoi on a les symboles en gros là? Pourquoi ils sont plus gros les symboles? Ah bah attendez, ouais, pourquoi ils sont immenses les symboles même? Résistance au déséquilibrage amélioré. Ah oui non, ça y est, c'est fini. Bon d'accord. C'est juste parce que c'était nouveau j'imagine. Remplissage de la jauge CF améliorée.
Créature divine d'Arudania renforcée. D'accord. Bon, des petits combats, hein. Là, j'imagine que c'est pareil. Ouais. Bon, Revaliker Max. Et là, le château d'Hyrule. Niveau 38. Un combat au château d'Hyrule, c'est potentiellement la merde, hein. On serait déjà à la fin du scénar? Comme un doute, mais je sais pas du tout. En tout cas, on va être au début du chapitre 5. Je ne sais pas combien il y a de chapitres dans le jeu. En vrai, il faudrait qu'on s'arrête là. Hein. Le plus raisonnable, ce serait de s'arrêter là. Hein. J'ai 12 milliards de quêtes partout. Partout, partout, partout. Nouveau combo. Nouveau combo. Ça, je prends. Toujours plus. Ouais, allez. Hein. Ce n'est que le commencement. Et ça aussi. Bien joué. Toujours pas content, les Gerudo. Hein. Ceci dit, ils sont toujours pas contents. Ok, on a quelques quêtes. Hein. Ruée sur les bananes lames. Grande fée des neiges. Ouais. Révalie plus de cœur. Alors attendez, non. La jauge CF pour Link. Paraît pas mal. Est-ce que j'ai pas moyen d'améliorer ma relation avec une région là? Akala, pas grand chose. Ah oui, c'est vrai que. Ouais, non, toujours pas. J'ai toujours pas ces matériaux là. Je suis deg. Ouais, il y en a partout. Je me doute bien qu'il y en a partout. Bah ouais. La créature divine renforcée, Mifaker Max, Rago à la carotte. C'était impressionnant. Ah, attendez, est-ce que si on fait les trucs là, non, on n'a pas assez. Suis-je devenu plus forte? Mais bientôt, voilà, bientôt ils sont contents. Non, j'ai rien que je peux faire à l'anel là pour améliorer la relation. Tant pis. Bah écoutez. Alors en vrai, on va faire un truc. On va faire ça avec Bamedo, celle que je préfère. Hein. Ah mais non. Ah je pensais que c'était un combat, mais en fait non, il faut donner des ressources. Ah. Parce qu'en fait, je voulais voir ce que ça faisait. Bah attendez. Ouais. C'est bon là du coup. Quelle réussite! C'est fantastique! Réduit le temps d'attente avant de pouvoir utiliser la pluie de la. Ok. Très bien. Simplement. Daru, plus de cœur. Ouais, allez. Hein. Bah du coup. Du coup, en vrai, on va s'arrêter. Hein. On va avoir un épisode un peu plus court pour une fois. Est-ce que j'améliore Noya? Oh, 9 noix de Korogu! Petit bâtard! Ouais, non, mais attends, si les noix Korogu sont censées servir à Noya. Bah, ça sert à autre chose que Noya. Bon. C'est pas que, mais on va prioriser d'autres trucs, quoi. Zelda de cœur, oui. Nouveau combo. Nouveau combo pour Zelda. Ouais, mais. Le problème, c'est que ça, bah, c'est là. Mais super. Ça sera peut-être là aussi, hein. Parce qu'un jour, les gardiens, ils vont s'énerver, hein. Alors, j'achète tout, hein. J'achète tout. J'achète tout, tant pis, j'achète tout. Les recherches pour accomplir le sable. Oui. Impressionnant. J'aurais peut-être dû plus regarder Zelda avant, mais. Parce que je voulais peut-être le faire et là je peux plus, non. Et dire au sort et dire rouage. Non, c'était 10 arbres, je crois. Bon, on va prendre ça quand même. Ouais. Tant pis. Écoutez, tant pis. Hein. Très bien. Bah écoutez. Oh oui, lui veut que je fasse ça. Ouais. Tarif réduit, oui. Bon, ok, très bien. Bah écoutez. Moi je vous dis à la prochaine pour la suite de Hyrule Warriors, l'ère du fléau.
Je vais faire un peu des quêtes, je pense, avant avant qu'on attaque ça. Et on va juste donner 2 cœurs max à Revali. Me voilà encore plus fort. Alors que, ouais, non, bon, on avance tranquillement, hein, sur les objectifs qu'on a. Mais voilà. Ouais, 22% dans cette zone. Non. Elle est où l'étoile? Elle est où l'étoile ici? Elle est là. 30%. Ici, 31. Ouais. Faut qu'on me pourrine pas. Atta. Atta, est-ce qu'on peut acheter ça? Non. Visiblement non. Je suis déçu. Je pourrais le farmer. Mais bon. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.